Donc, je vais présenter la séance dédiée à la numérisation 3D des appareils de la collection François Lemay. Ça nous semblait une belle ouverture en fin de colloque de considérer un peu ce que le numérique offrait à l'étude des objets, des artefacts physiques. Donc, la présentation va être présentée par d'abord... Enfin, ils vont nous dire dans quel ordre précisément, mais je vais ici selon l'ordre que j'ai. Patricia Bérubé. Après des études en jeux vidéo et en histoire de l'art, Patricia Bérubé est actuellement candidate au doctorat en médiation culturelle à l'Université Carleton. Ses travaux de recherche visent à rendre les arts visuels accessibles au public malvoyant et non-voyant par la création de prototypes multisensoriels. Joachim Raginel exerce le métier d'ingénieur en développement de projets génie logiciel depuis plus de 10 ans. Il est spécialiste en base de données en technologie web. Il s'oriente en partir de 2008 vers le champ du cinéma et obtient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia, puis une maîtrise en études cinématographiques de l'Université de Montréal en 2017. Ses intérêts de recherche se situent au croisement du cinéma et de l'anthropologie visuelle. Au sein du partenariat international de recherche TECNES, Joachim est auxiliaire de recherche responsable de la mission de numérisation 3D, en plus d'avoir collaboré comme caméraman et preneur de son à la première saison de la série TV Connaissance du cinéma, dont 2 des 6 épisodes sont dédiés à François et à sa collection. Et puis finalement, Maxime Delonchamp-Gagnon est doctorant en programme d'études cinématographiques et chargé de cours à la mineure en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal. Son projet de thèse concerne le rôle de l'émotion dans l'engagement moral en jeu vidéo. Il est auxiliaire de recherche pour le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique LUDOV et le partenariat international de recherche sur les techniques et technologies du cinéma TECNES. Avec Hugo Montembeau, il co-anime Profil ludique, une balado diffusion universitaire consacrée au genre du walking simulator. Ça va, en fait? Je passe le micro. Ça marche, merci beaucoup Louis. On va envoyer le micro par ici. Alors, merci beaucoup Louis, merci à TECNES, merci à l'organisation du colloque pour nous permettre de présenter nos recherches, surtout le résultat de notre travail qui s'est écoulé sur 1 an et demi, 2 ans, même plus pour certains d'entre nous. Donc c'est ça, nous trois on forme en partie l'équipe 3D. Notre mandat c'était d'obtenir des modèles 3D d'appareils cinématographiques d'une variété de sortes, de toutes les époques de l'histoire du cinéma. Ce qu'on a accompli plus exactement, ou ce qu'on devait accomplir plus exactement, c'est 30 modèles à capter en 3D, à traiter en post-production, parce que ça demandait beaucoup de traitement, et à diffuser ensuite en ligne. On en a 28 à ce jour. Le reste, c'est vraiment, on est à l'étape vraiment des peaufinements. On a presque tout finalisé, fait que c'est merveilleux. Et voilà, le but ultime, c'est vraiment de les partager en accès libre, ces caméras-là, notamment par l'encyclopédie, c'est de les rendre accessibles au plus de gens possible, hein, grâce au web, bien sûr. Et puis, comment on s'est pris? Bien évidemment, on a collaboré avec la collection François Lemay, bien sûr. On va en parler, ça va être vraiment les exemples d'appareils, c'est bien sûr de cette collection-là qu'on va montrer aujourd'hui. On a aussi collaboré avec la Cinémathèque québécoise, avec le George Eastman le Museum de Rochester, notamment. Et puis, ce qu'on va vous parler, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à nos résultats, quel défi on a rencontré, quelle démarche on a prise pour se rendre là, notamment par rapport à la recherche technologique. C'est-à-dire que nous, ben, moi et Patricia, on a des backgrounds en 3D. On a étudié au bac, on a fait des spécialisations en 3D. Joachim a fait l'école d'ingénieur en France. Donc, on a déjà des compétences, mais évidemment, c'est un projet qui est très original, très innovateur. Ça demandait beaucoup d'expérimentation. Et non, ce n'était pas un projet tout pensé d'avance. Il a vraiment fallu tester des outils, tester des logiciels. Puis à partir de ce moment-là, on a pu construire un flux de travail ou un workflow, autrement dit. Et puis vraiment standardiser les processus, les techniques et tout ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit un peu, ben, d'abord, il y a eu cette phase d'expérimentation-là, où on a dû travailler avec différents outils, différents logiciels, différents scanners. Ça s'est passé sur 8 mois environ, avant de trouver vraiment quels étaient les outils qui faciliteraient notre tâche, ou encore qui nous permettrait de mener tout simplement nos objectifs à terme.
Et puis vraiment, à partir de mars 2017, on a pu passer en phase de production, de traiter un maximum de caméras, bien, je veux dire, selon les contraintes et nos capacités, bien sûr. Donc, c'est vraiment une mission qui a débuté il y a finalement 3 ans. Alors ça, c'est les 8 appareils, c'est des screenshots, des captures d'écran des modèles 3D de 8 appareils de la collection François Lemay. Donc là, on va vous présenter à la toute fin la Ciné Kodak, justement. Donc ça, on est très fiers d'avoir réalisé ça. On a numérisé d'abord, c'est pas de la modélisation à partir de rien qu'on fait, c'est vraiment, on commence avec la numérisation, et donc avec des appareils qui nous permettent de capter l'essentiel de la forme des boîtiers, ben, des appareils à la fin. Et puis ça, on est venu vraiment ici à l'Université Laval, c'est mes deux collègues ici qui sont passés, c'était en juillet 2017 pour traiter tout ça, puis par la suite, on a pu les corriger, les réparer. Vous allez voir, ça demande un certain nombre d'interventions pour arriver à ces résultats-là. Et puis, notre travail s'est inscrit dans deux enjeux principaux, on pourrait dire. D'abord, un enjeu d'accessibilité, c'est-à-dire que, bien sûr, ces caméras-là doivent être, ces modèles-là doivent être accessibles par un maximum de personnes. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont près des grands centres. Ce n'est pas nécessairement des experts en cinéma. Donc, ça, c'est un peu ça l'idée. C'est aussi, par rapport à l'accessibilité, ce n'est pas juste une question de démocratisation, c'est aussi une question de pouvoir voir ces caméras-là sans nécessairement les manipuler, sans les toucher, sans les risquer d'endommager, que ce soit que le public ou les archivistes ou n'importe qui. C'est des caméras qui sont d'une certaine manière intactes quand on va les consulter sur le web par la suite. Et aussi de valorisation, bien sûr, ces modèles 3D-là permettent de valoriser les collections individuelles, mais aussi de valoriser l'encyclopédie. L'encyclopédie valorise ces modèles-là, donc une relation aussi bidirectionnel, si on peut dire. Et puis, évidemment, on ne pense pas que ce qu'on propose ici, c'est pas le numérique en tant que tel, ce n'est pas une solution de remplacement. C'est une avenue à explorer, qu'il fallait explorer, puis c'est pour pouvoir tirer des conclusions, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ça. La présentation aujourd'hui, on vous détaille les 4 grandes étapes de notre flux de travail, de la numérisation à la réparation, au dernier petit touch-up, on va dire, désolé l'anglicisme encore, Patricia ne sera pas contente, en post-prod, pour ensuite la diffusion sur le web, donc ces quatre étapes-là. Et puis, on va aussi relater les défis qu'on a rencontrés, c'est-à-dire, comme j'ai dit, ça demande beaucoup d'interventions humaines, donc à la fin, nos résultats, ce n'est pas les caméras 100% authentiques, des imperfections, bien sûr. Ça a demandé, il y a eu des problèmes comme des appareils qui sont difficilement numérisables pour une variété de raisons qu'on va vous expliquer aussi. Et puis, sur ça, justement, je vais laisser Joachim présenter la première étape, justement. Et merci Maxime, bonjour. Donc c'est ça, moi je vais vous parler d'acquisition 3D qui est en fait la première étape de notre workflow. Donc en fait c'est un retour d'expérience en ce qui concerne l'étape d'enregistrement des données brutes, c'est-à-dire des données brutes topographiques et textuelles d'artefacts cinématographiques. Et après toute la suite du processus en post-production, ça va être de créer des modèles 3D à partir de ces données brutes en fait qu'on va acquérir sur le terrain. Donc la chronologie des sessions d'acquisition qu'on a fait donc à la fois chez des partenaires et collaborateurs. Donc il y avait le George Eastman Museum en mars 2017. On y a passé 5 jours pour acquérir 10 appareils. En juillet 2017, donc comme le disait Maxime, c'était la collection François Lemay, celle sur laquelle on va se concentrer après aujourd'hui dans nos différents exemples, et 10 appareils également. Mars 2018, Cinémathèque québécoise. Auparavant, pendant tout 2016, on avait fait tous nos tests là-bas, mais là c'était vraiment la partie production, donc on a réussi à faire 14 appareils, 10 de chez eux, et comme ils nous laissaient travailler tard le soir jusqu'à 22h, on a pu aussi en faire 4 de l'Université de Montréal, donc merci à eux pour ça. Et puis en mars 2019, parce que le projet, il y a un projet en fait qui est né de Technes, de ce partenariat-là, qui s'appelle Musée Virtuel du Canada, qui va être en fait la prochaine communication. Et donc j'y suis repassé en mars 2019 pour faire 4 appareils supplémentaires pour ce projet-là et qu'on va sûrement après pouvoir partager à Technes. Donc c'est ça, les défis de l'acquisition, c'est d'abord une organisation d'équipe parce que donc il y a des contraintes qui sont techniques,
par rapport au scanner qu'on va utiliser, mais il y a aussi des contraintes muséales et des besoins spécifiques qui étaient liés à la recherche, donc il fallait prendre en compte. Donc l'organisation du processus d'acquisition, c'est la collaboration de plusieurs personnes. Donc il y a d'abord l'archiviste, au George Simon Museum, c'était Todd Gustafson, à la Cinémathèque québécoise, André Akouchembouk. Ici, c'était Madame Wagner qui nous a aidés à l'Université Laval. Donc un expert scientifique aussi, donc Louis Pelletier qui était là à chaque fois. Donc en fait, avant l'acquisition à proprement parler, nous on doit comprendre comment l'appareil fonctionne, quel était l'usage de l'appareil, pour le mettre dans une position qu'on appelle une position d'utilisation, d'usage, et qui était en fait le mandat. Ça veut dire que les modélisations finales qui sont sur Sketchfab aujourd'hui disponibles, c'est la position d'utilisation de la caméra. Et c'est Louis qui nous permettait en fait de comprendre tout ça, de savoir un petit peu les détails importants à faire, de ne pas faire d'erreur. Nous, on ne les avait jamais manipulés non plus, ces appareils-là, évidemment. Donc on était obligés de travailler de concert pour arriver à ça. Et en général, on était donc deux techniciens pour réaliser ces missions techniques. C'est ça qu'on est allé voir la collection François Lemaitre, c'était donc Patricia Bérubé et moi-même. Et aussi important quand même, parce qu'on est dans un contexte universitaire ici, donc quand on travaillait, on est susceptible d'être aux études, de ne pas toujours être disponible. Donc on était en fait au début, on a été en fait quatre personnes à travailler ici, il manque Nawal Maftou qui a fini ses études. Et donc chaque personne travaillait en binôme, ça veut dire que chacun avait la compétence pour remplacer l'autre. Ce qui a permis aujourd'hui d'arriver en fait à faire nos 30 appareils à temps, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'important dans le processus de travail et la bonne gestion d'équipe, c'était vraiment ça qui a aussi été essentiel, je pense, pour qu'on y arrive au final. Et donc, c'est ça, la grande force en fait, de la collection François Lemaitre, ce qui était un peu frustrant, en fait, on peut dire même pour les premières sessions d'acquisition, c'était que nous, on ne pouvait pas toucher les appareils non plus. Il n'y a que l'archiviste qui peut le toucher. C'est sûr qu'après, c'est aussi un contrat de confiance, c'est-à-dire qu'au début de semaine, on ne se connaît pas trop. En fin de semaine, on peut aussi prendre les gants blancs, puis commencer à toucher, lever des petites choses et tout. Mais donc tout ça, c'est un travail aussi, de connaissance, de prise de contact avec ce milieu-là qui ne nous connaît pas forcément au début. On arrive, on est étudiant, on a un énorme scanner qui arrive, donc c'est sûr qu'il y avait une petite appréhension. Mais voilà, au final, on a travaillé, on a réussi à travailler. Et puis ici, ça a été un petit peu voilà, on était super contents de pouvoir les toucher nous-mêmes dès le départ, de pouvoir regarder tout ça. Louis était quand même là, hein. Pour nous assurer qu'on ne faisait pas n'importe quoi, puis tout ça. Mais voilà, on a réussi à faire du beau travail tous ensemble. Donc, d'un point de vue de l'acquisition, comment ça se passe? En fait, il y a deux étapes bien différentes. Ce que j'appelle donc une étape de captation photographique bidimensionnelle, c'est donc la photographie classique, qui en fait va se rapprocher après de la texture. Ça, c'est plus... qui va en discuter tantôt dans la troisième partie. Et la captation par triangulation laser, qui est en fait la triangulation avec le scanner 3D pour acquérir la forme et le relief de l'appareil. Et bien sûr, comme on était dans un milieu archivistique, il fallait un système d'acquisition qui était portable. Donc ça a été aussi toute une recherche de trouver le système adéquat pour arriver à travailler dans des lieux exigus, dans des lieux un petit peu compliqués d'accès. Et c'est ça. Donc pour la partie technique, on a travaillé avec une entreprise québécoise qui est pas loin d'ici, qui est à Lévis. Et d'ailleurs, la technologie de cette compagnie-là a été développée à l'Université Laval dans un premier temps. Donc, c'est quand même un beau retour aux sources. Et c'est ça, elle s'appelle Créaform. Donc, ils nous ont beaucoup aidés en tant que prestataire technique pour arriver aussi au bout de la mission. Donc l'acquisition photographique 2D, c'est... classique, en contexte archivistique et muséal, donc respect des normes. Nous, on a respecté les normes de l'Institut canadien de conservation. C'est trois points d'éclairage. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on avait des projecteurs, des lumières à LED pour ne pas abîmer en fait, les appareils et respecter tout ça. Donc, il y a quand même eu cette attention-là, bien sûr, de respecter les appareils dans toutes les collections dans lesquelles on allait. Donc, on a dû faire attention à ça. Et puis un appareil photographique de qualité qui est d'ailleurs utilisé aujourd'hui pour nous enregistrer nous-mêmes. Donc c'est ça. Et j'aurais quand même aussi rajouté que Joël Lehmann nous a aussi aidé donc, à mettre en place tous ces setups techniques au début, parce qu'on a été aussi une équipe technique qui s'est construite tout au long du projet. Donc ça a été vraiment une collaboration avec tout Technet, c'est pas aussi juste l'équipe 3D.
Au niveau de l'acquisition 3D, donc ici je vous montre à peu près notre premier travail. Donc c'était des scanners portables qui s'appelaient des IDOSCAN. Ça, c'était nos premiers tests. Ça veut dire qu'on n'a pas gardé cette solution-là jusqu'au bout. Et comme on peut le voir, il y a des sortes de petits supports sur la page de gauche avec le Victor Animatograph. Donc, parce qu'on ne pouvait bien sûr pas coller. On avait besoin de mettre des cibles sur les appareils pour pouvoir faire l'acquisition ensuite. On n'avait pas le droit de les coller dessus. Donc, on était obligé d'inventer des supports, d'avoir une table tournante, etc. pour arriver en fait à ce que le scanner puisse passer, circuler en fait autour de l'appareil et arriver à créer cette forme qu'on recherche. L'avantage de ce scanner-là, c'est qu'il pouvait directement acquérir la texture, mais au final, je vais vous en parler après, mais la technologie ne permettait pas en fait d'acquérir tous les types de surfaces et de matérialité des objets. Donc c'est pour ça qu'au final, je vais vous montrer après la solution qu'on a finalement utilisée, mais on était parti de cette solution-là, qui permettait de tout faire en un, mais qu'on n'a pas pu garder jusqu'au bout. Donc la solution qu'on a gardée, c'est la solution à triangulation laser dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un système qui est utilisé étonnamment dans l'industrie aéronautique, l'automobile. Nous, on s'en servait dans un milieu muséal, donc c'est sûr que c'est un gros contraste par rapport à ce qu'on peut imaginer faire avec ce scanner-là. Mais au final, c'est le scanner qu'on a retenu, parce que c'était le seul qui nous permet de pouvoir faire l'acquisition de tous les types de surfaces, spécialement les objectifs, les parties en verre, les parties très réfléchissantes, qui sont légion en fait sur tous les appareils photographiques, les artefacts cinématographiques. Donc voilà, au début on a eu un petit peu peur parce qu'on n'y arrivait pas, puis avec ce scanner-là on était vraiment rassurés, et en plus il est très très rapide, donc ça veut dire qu'on a vraiment ça nous a permis d'avoir la densité de travail aussi qu'on voulait et de production. Donc le principe du MetraScan, je vais vous en parler quand même rapidement, parce que ça se passe en deux parties. Donc d'un côté, on a ce qu'on appelle un tracker, donc vous pouvez voir sur la droite, le sort de petit robot là-bas, qui est aussi à gauche, et en fait qui va créer une zone de travail dans laquelle après nous on peut travailler et faire l'acquisition de l'objet. Donc c'est une zone de travail qui au final fait entre 9 et 16 mètres cubes, donc on avait amplement nous la place de mettre nos appareils de cinéma. Et quand on parle de triangulation laser, juste deux mots, pourquoi on parle de triangulation? En fait, la triangulation laser, on le voit là-bas, c'est une sorte de petit triangle bleu. Ça veut dire que pour calculer la distance et la différence de profondeur d'appareil, eh bien on envoie en fait un rayon laser qui revient, ça calcule la distance, et puis ça va construire la forme en nuage de points qui va après être transformé. Mais ça, c'est Patricia qui va vous en parler par la suite. Bon, donc une fois que la surface est acquise, qu'est-ce que ça donne en fait? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le deuxième scanner qu'on a retenu, il scanne très bien les surfaces, donc on a du matériel pour travailler, mais en fait, il ne retient pas les textures. Donc, ce que ça donne, on va utiliser l'exemple de la Bell & Howell AIMO 35 mm de la collection Lemay pour vous l'illustrer. En fait, ça, c'est les photos d'archives qu'on a prises pour entamer le travail. Donc, première observation qu'on a, c'est que, bon, une fois l'acquisition faite, on obtient ceci. Donc, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le scanner, il est extrêmement performant au point de même scanner la table. Si on avait mis nos mains, par exemple, il va scanner les mains aussi. Donc, très, très, très performant. Par contre, on ne peut pas travailler avec ça, donc ce n'est pas du matériel optimal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide du logiciel qui est fourni par la même compagnie qui a créé le scanner, donc logiciel qui s'appelle VX Element, qui est très important de préciser que ce n'est pas un logiciel de modélisation. Donc, les logiciels de modélisation permettent de partir de rien et de créer des formes ou des visages, des personnages, ce que vous voulez, imaginez. En fait, VX Element est un logiciel de réparation de surface acquise par le scanner. Donc, ici, c'est important de voir qu'il y a différents éléments qui sont scannés, comme on a dit, la table. Mais ce qu'on voit moins aussi, c'est un petit peu des petites particules qui s'appellent du noise ou du bruit. Donc, le plus longtemps on scanne, le plus longtemps on a ces particules-là en fait, qui apparaissent et qui viennent nuire au travail post-production ensuite. Donc, en fait, le modèle nettoyé. Donc, pour ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut dire au logiciel d'éliminer la table. Donc, on enlève la table. Il y a aussi des options qui nous permettent d'enlever ces petites particules dont je vous ai parlé. Donc, on enlève tout ça. Mais là, comme vous voyez, ce n'est pas complet du tout. Donc, il y a des trous. On ne peut pas travailler à partir de ça du tout. Donc, ce qui est important de faire, c'est l'alignement des différents modèles. Donc, en fait, il faut savoir que pour chaque scan, on vous dit qu'il travaille rapidement, le scanner, et oui, on en a fait 10, par exemple, en 5 jours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque appareil, on a peut-être scanné 15 fois, en différents angles, le dessous,
On s'est vraiment concentré sur la poignée, par exemple, pour un autre appareil. En fait, ce qui arrive, c'est que dans le logiciel, on a l'option de les aligner les uns sur les autres. Donc, on va mettre des points de repère avec le logiciel et on va dire, bon, la lentille, c'est un des points de repère, la poignée ou la manivelle, peu importe. Et là, ils vont s'aligner les uns par rapport aux autres, ce qui fait qu'on a une plus grande surface couverte, ce qui nous permet d'avoir un matériel un peu plus fini. Et on passe maintenant à l'étape vraiment des réparations. Donc, si vous voyez l'image en rose, c'est les trous. Donc, ce sont soit des surfaces qui ne sont pas attachées entre elles, ou soit vraiment, on n'a pas réussi à capter cette partie-là de la caméra. Donc, l'important, c'est vraiment boucher les trous. Connecter les parties entre elles, c'est vraiment parce que sinon, le logiciel ne reconnaît pas que c'est un objet fermé. Et nous, on ne peut pas le mettre dans le dernier logiciel pour appliquer des textures si ce n'est pas un objet fermé. Donc, c'est un peu comme l'analogie, justement, c'est comme de la couture. Donc, c'est vraiment point par point, on va les rattacher ensemble. C'est un travail d'une minutie incroyable, c'est vraiment très long. Puis c'est pour ça aussi que c'est important, comme on a dit qu'il y a beaucoup d'interventions humaines, c'est vraiment important de travailler en comparant constamment avec les photographies de référence. Parce qu'une fois qu'on est rendu en post-production, on n'a plus accès aux caméras, on est vraiment dans un autre environnement et c'est facile d'oublier. T'sais, surtout en n'étant pas expert en cinéma ou en justement dans ce domaine-là, c'est facile d'oublier et d'être concentré dans son travail. Donc, il faut vraiment se référer aux images pour avoir un modèle qui soit le plus fidèle possible. Donc, le résultat, c'est vraiment ça. Ça, c'est après la réparation. C'est sûr qu'il y a encore des petits problèmes et c'est justement pour ça qu'on va parler de la prochaine étape avec Maxime. Pour vous donner un petit aperçu pour cette caméra-là, la prochaine étape, elle donne ceci. Donc, Maxime, je te laisse présenter. Alors voilà, ce qui va arriver, ben je vais vous expliquer les limites de VX Element. Donc on a numérisé les appareils, on les envoie réparer les trous, avoir un modèle qui est complété à 100%, mais après il faut rajouter les textures. Quand on parle de textures, c'est pas juste les couleurs, c'est aussi comment le matériel de l'appareil en tant que tel, comment il va refléter la lumière et tout ça. Donc je vais aller assez vite parce qu'on s'est déjà étendu pas mal. Mais en gros, il va falloir aller corriger certains éléments, certains points de la surface et aller colorier le tout, si on peut dire ça comme ça, en utilisant ZBrush, qui est un logiciel de modeling qui est vraiment utilisé dans l'industrie de l'animation, du jeu vidéo et tout ça, qui permet vraiment d'aller dans le détail. Donc là, ici, on est plus près de quelque chose comme la sculpture à l'argile, c'est-à-dire qu'on va aller rajouter de la matière, puis on va aller la façonner pour obtenir un peu plus de précision. Et donc là, ici, on a un exemple de... ça, c'est un des objectifs de la Mitchell SS 35 mm. Ce qu'on voit ici, encerclé en rouge, donc on a deux images, encerclé en rouge, on a comment VX Element a bouché un trou. C'est une interprétation du logiciel. Et puis, on voit que tout d'un coup, ça manque de définition. Le contour ici, à l'intérieur de l'objectif, n'est pas continué, hein? Il y a vraiment, la ligne n'est pas continuée. Alors nous, il faut aller la remodeler manuellement, donc encore là, toujours en se référant aux photographies. Donc c'est vraiment important d'aller faire ces petites corrections-là, donc de scruter l'appareil en détail. C'est pareil à d'autres endroits, quand on parlait de certains matériaux qui sont plus difficiles à numériser. Donc là, ici, on a un cadran, c'est le galvanomètre, je crois, ici, le vert, on ne voit pas grand-chose hein, comme ça, c'est que le verre, c'est un matériel qui n'est à peu près pas captable avec les scanners. Ce qu'il va capter, en fait, c'est les poussières, les saletés, les égratignures, tout ça. Donc là, il faut vraiment aller adoucir, aplanir la surface, puis aller reconstruire l'aiguille, finalement, du cadran pour, avoir une forme qui est la plus fidèle, hein, sans être authentique, mais qui est la plus fidèle possible. Et puis, c'est un peu ça, c'est de travailler comme ça. Puis ça, c'est une étape qui va prendre 2, 3, 4 heures selon les appareils. Hein, ça va changer. Je veux dire, une boîte comme les Bolex, c'est extrêmement facile à traiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, alors que d'autres comme la Mitchell, qui a 4 objectifs près l'un de l'autre, là, ça va poser plus de pépins. Et ensuite, pour l'application des textures, qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En noir, on a une photo d'un œilleton en semi-transparence. Et puis, on va devoir aligner avec le modèle 3D cette photo-là, la mettre à l'échelle. Et puis, c'est vraiment comme un dessin qu'on calque, finalement, qu'on va simplement peindre par-dessus comme ça.
Et puis, c'est de cette manière-là qu'on va s'approcher d'un résultat plus fidèle. Mais bien sûr, c'est un travail encore là, comme Patricia l'a si bien dit, de minutie. C'est-à-dire qu'on peut dépasser tout simplement. Donc, les textures vont baver. Donc, c'est bien important de masquer. Et puis, c'est pour ça que ça peut prendre de nombreuses heures comme travail. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que, tout d'un coup, si je peins un côté de l'appareil, ben, je ne dépasse pas de l'autre côté pour ne pas refaire mon travail sans cesse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et puis, ce qui va arriver à la fin, c'est qu'on a cette espèce d'hybride-là entre un modèle 3D où on a collé des textures 2D un peu partout dessus. Mais ça va donner des... Ben, ce qu'on peint, finalement, c'est aussi des effets de lumière. Donc, par exemple, si on regarde... La Mitchell. Bon, ici, on a une photo qui apparaît dans ZBrush, qu'on sert de modèle pour peindre à droite la caméra que vous voyez, le modèle 3D. Mais ce qui va arriver, c'est que puisqu'on applique des photos, on lui projette des photos sur des appareils, eh bien, quand on va les manipuler dans l'espace en trois dimensions, bien, la photo, le reflet de lumière, par exemple, bien, il ne bougera pas. Donc, on va avoir cette espèce d'hybride-là en 3D, 2D, qui va avoir... Bien, ça va créer peut-être un effet étrange pour ces types de matériaux-là, mais c'est le mieux qu'on peut faire dans nos conditions. Puis, bien, ce que les logiciels nous permettent de faire, finalement, c'est ça, vraiment. Alors, ensuite, lorsqu'on a vraiment, c'est vraiment le ZBrush, ça permet, c'est le travail de peaufinage, c'est juste à partir de ce moment-là qu'on peut les envoyer par la suite sur Sketchfab, qui est la plateforme de diffusion qu'on utilise pour les rendre accessibles à tous. Puis là, je vais redonner la parole à Joachim, ici. Merci. Je vais essayer de faire vite pour notre dernière étape. Donc, pourquoi Sketchfab? Ben, parce que Sketchfab, en fait, c'est la plateforme la plus populaire pour la diffusion d'objets 3D. C'est un modèle commercial un petit peu comme YouTube, ça veut dire qu'on pourrait très bien faire de la pub Technest sur nos propres modèles 3D si on voulait, ou communiquer le prochain colloque, je ne sais pas, sur la Mitchell, par exemple, et avec un lien sur le programme, quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, en fait, d'un point de vue Technest, c'est le partage, parce que nous, on veut vraiment pouvoir partager nos objets qu'on crée au plus grand nombre, et donc Sketchfab permet d'utiliser les licences Creative Commons, donc il nous donne pas mal de liberté par rapport à ce qu'on veut laisser faire après aux gens, à ces objets. Nous, on veut tout laisser faire, donc on donne absolument tous les droits, mais on pourrait très bien les restreindre si on voulait. Et aussi, c'est que Sketchfab est quand même utilisé par beaucoup d'institutions. Harvard l'utilise, le Smithsonian Museum, par exemple, l'utilise. Et donc, ça permet de partager des collections avec d'autres institutions de manière vraiment efficace et simple. Donc, c'est quelque chose qu'on a retenu. Il y a d'autres plateformes, c'est ça, on n'en parle pas, mais qui existent. Par exemple, je sais que Google a une plateforme qui s'appelle Poly. J'ai encore regardé l'autre jour, mais elle n'est pas encore au niveau de développement de Sketchfab. Donc peut-être dans quelques années, on pourrait aller sur d'autres modèles avec des API peut-être plus libres, des choses comme ça, des choses où on peut, voilà, où on serait peut-être plus proche des modèles qu'on avait imaginés au début. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel en fait, des développements des plateformes web, c'est la seule qui répond à nos besoins. Et c'est aussi une plateforme qui a une énorme communauté de gens après qui travaillent sur les objets 3D. Donc à la fois des musées, à la fois des modélisateurs professionnels, quoi, c'est vraiment très dense. Et on a aussi eu beaucoup de conseils là-dessus. Donc voilà, c'était vraiment une plateforme utile pour nous et qu'on a gardée. Comment ça se passe en fait à la fin de l'étape que vous avez vue tout à l'heure, donc quand l'objet est fini pour nous dans la plus haute résolution, c'est qu'il faut le mettre en ligne. Et donc pour ça, il y a des plugins qui commencent à se créer, qui sont plus ou moins intégrés. Mais comme c'est le web, il faut quand même que ça s'affiche rapidement, qu'il n'y ait pas de lag trop important, etc. Donc il faut réduire la qualité du fichier qu'on a. C'est-à-dire que là, on ne vous montre pas sur le web la qualité optimum qu'on a aujourd'hui. Peut-être dans le futur, on pourra. Mais donc on va faire un fichier plus léger, ce qu'on appelle un format box, qui s'appelle le format FBX, pour les gens qui connaissent peut-être un petit peu la 3D dans la salle. Et donc c'est un format adapté au web et qu'on laisse en téléchargement, par contre. Donc n'importe qui après peut le télécharger sur la plateforme s'il veut retravailler à partir de notre modèle. Et il y a aussi des limitations techniques selon le profil d'abonnement. C'est-à-dire que nous, par exemple, on passe d'un fichier, si vous voulez, en sortie de ZBrush qui fait quand même 1 giga, à un fichier qui est limité à 200 MB. Donc ça fait quand même une grosse différence. On doit vraiment faire des choix quand on réduit la qualité. Et ça, c'est ZBrush qui nous le permet par une opération qui s'appelle la décimation. Ça veut dire que nous, on va quand même garder les endroits, par exemple, où il y a les écritures, tous ces endroits-là, où ce qui sont importants pour les chercheurs. Donc ça, on va garder la qualité maximale pour qu'ils puissent avoir accès à des données qu'ils n'auraient peut-être pas ailleurs. Et puis, sur les surfaces un peu uniformes, noires, là, on va peut-être baisser un petit peu nos nombres de triangles, des choses comme ça, de manière à réduire le fichier et qu'il soit efficace pour une visualisation web qu'on va vous montrer juste après.
Et juste pour finir d'un point de vue un petit peu technique, c'est que Sketchfab nous permet en fait de créer un petit code web. Ça veut dire que n'importe qui a son site web pourrait intégrer nos objets 3D, qui s'appelle le web embed, de manière très facile. Et enfin, c'est ça, après tous ces objets-là, aujourd'hui sont dans Sketchfab, mais après vont être indexés dans la base de données OMKS dont parlait André tout à l'heure. Donc c'est une belle porte d'entrée parce que Sketchfab est aussi indexé sur Google. Donc tu tapes Techness et n'importe quel appareil qu'on a numérisé, on va tomber sur nos appareils. Donc c'est très facile de les retrouver aujourd'hui dans Sketchfab. Mais après, il y aura aussi une indexation dans la base de données qui va être peut-être plus pour les chercheurs où l'entrée pourra vraiment être la base de données. Donc il va y avoir en fait une double indexation, donc on va être facilement repérable. Et maintenant, c'est ça, on va vous montrer enfin un modèle. Donc on a choisi la Ciné Kodak modèle A. Je pense que c'est toi qui as fait la post-prod, Maxime ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc un bel appareil. C'est pas besoin de la souris pour zoomer, je peux lâcher. On a dit que c'était facile, donc je vais quand même vous montrer que c'est facile. Tu peux la mettre plein écran. On peut tourner. Je vais vous le mettre en plein écran. Non, c'est vraiment facile. Ah, on a une petite update. Okay. Donc la Ciné Kodak, c'est ça. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de tourner, voir les dessous des appareils. C'est pas forcément un truc qu'on a l'habitude de voir. Ça peut être important qu'il y ait les trépieds après qui se mettent dessus, parce que il y a tout aussi une histoire des trépieds en cinéma, donc ça donne aussi beaucoup. Et puis, on peut aussi zoomer dedans. Donc, on peut zoomer et on voit quand même que... Ça, c'est mes doigts qui glissent à la fin de la présentation, mais ça marche. Et c'est ça, donc on peut zoomer et on voit quand même qu'on a, une bonne qualité, une bonne précision. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Ça marche mieux avec une souris. Mais il arrive quand même. On a parlé c'est ça, on n'est pas capable de tout garder. Évidemment, la poignée du haut, là, c'est une poignée qui est fibreuse un peu. Là, on n'est pas capable d'aller chercher les poils qui vont dépasser, bien sûr. Donc là, ça a l'air juste d'une poignée. On ne peut pas vraiment deviner le matériel comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que on a quelque chose qui est bien, qui est très élégant. Mais je pense que si on compare à d'autres caméras qui se retrouvent sur Sketchfab, je pense que les notes sont de loin les plus élégantes. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui est 100% parfait non plus. Ouais, parce que c'est ce que disait Maxime tantôt, quand il disait la différence entre modélisation 3D pure et acquisition 3D, qui est notre processus, c'est que souvent il y a des caméras qui sont très belles, parfaites, mais c'est parce que ça part de rien. Donc ils partent quasiment des plans, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'on a à la fin un appareil quasiment parfait, sans aucune imperfection, alors que nous, on part de l'objet réel et on essaie d'en faire une représentation 3D complémentaire pour des buts de recherche, pour des buts de pédagogie, des choses comme ça. Et voilà, donc des fois on peut dire la qualité est un peu moins bonne, oui, mais parce que c'est pas du tout le même travail, c'était pas du tout le même objectif non plus de garder une certaine authenticité quand même de l'artefact cinématographique original. Voilà, et juste pour finir techniquement, là c'est une vue orbitale que vous avez de Sketchfab, c'est-à-dire qu'on tourne autour de l'appareil, mais aujourd'hui il est possible d'avoir ce qu'on appelle une vue subjective, c'est-à-dire qu'on branche, je sais pas, une paire de lunettes de réalité virtuelle Google par exemple, pour pas citer de marque. Et puis, vous allez pouvoir vraiment avoir l'objet devant vous et vous balader autour de l'objet. Donc, voilà, il y a aussi des petites avancées qui se font là-dedans, qui peuvent donner peut-être quelque chose de ludique, une expérience différente. Et peut-être que Rémi Besson et Marina Gallet vont en parler plus tard par rapport à ce qui se passe avec ces appareils 3D dans le musée virtuel du Canada. Voilà, donc merci de votre écoute. Merci pour ces présentations. Juste pour l'équipe de 3D, c'est la fin du colloque, je suis un peu fatigué, j'ai peut-être eu la berlue, mais j'avais l'impression que la Ciné Kodak modèle A, qui est une boîte à arêtes à 90 degrés, était plutôt comme une pyramide tronquée, donc je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, est-ce que c'est la projection ou... C'est définitivement la projection. Moi aussi, j'ai remarqué, j'étais surpris en fait, mais j'ai pas pu prendre l'air de regarder de loin, là. Mais c'était étrangement déformé, effectivement. Ouais. Alors que sur l'ordinateur, ça n'apparaissait pas comme ça, en fait. OK, donc... Mais j'étais sur le côté, alors je pensais avoir halluciné ou quelque chose, mais... Donc je me demande si toutes les images qu'on présente sont comme ça. OK, donc, mais je vous assure que c'est pas déformé du tout, en fait. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on a activé un paramètre. Mais non, parce que c'était correct sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, c'était correct. Je comprends pas. Ouais. C'est peut-être la projection qui fait ça. Fin de vie du projecteur en fin de colloque, peut-être. Ça projette pas la réalité, ça? Ça projette pas la réalité. Donc, on va quand même vérifier la chose. C'est quand même mais bizarre. Vous pouvez vous rendre sur vos appareils. Quelqu'un une question? Non, ça va. C'est ce soir, ça, François.
Questions? Deux questions techniques. La première, j'ai entendu parler de fichiers, de gros fichiers de 1 gigabyte et l'autre, petit fichier de 200 mégas. Est-ce que ce n'est pas très lourd pour aller sur Internet, des gens qui sont sur le Wi-Fi, le temps de chargement, l'image n'est pas trop grosse. Est-ce que ça m'apparaît colossal comme fichier? Est-ce qu'un fichier beaucoup plus petit est envisagé? Est-ce qu'une version légère, si on peut dire, des images 3D, ou est-ce qu'il y a besoin d'aller d'avoir un fichier de ça? Maintenant, dans une deuxième question, j'ai vu beaucoup dans le fichier de Technesk qui va caractériser chacune des caméras ou des projecteurs. Est-ce que on va discuter avec des gens de terrain ou des techniciens qui vont dire l'aspect de la griffe ou des détails techniques qui sont très importants? Et est-ce qu'il va y avoir également un fichier général qui va permettre d'avoir accès aux caractéristiques générales sans passer par les 250 caractéristiques qu'il peut y avoir de l'appareil? Je vais répondre par la fin. Donc, par rapport, par exemple, à l'idée qu'on veut avoir un détail sur une griffe ou plus d'informations, ou même savoir si la modélisation qu'on a fait de la griffe est correcte, il y a quand même une suite, en fait, à ces modélisations 3D-là, c'est-à-dire qu'on va les annoter. Donc, il est tout à fait possible d'envisager qu'un détail important d'une caméra ait plus d'explications directement sur la caméra, et également, à partir de chaque numérisation 3D qu'on voyait en ligne, ça va y avoir un lien vers la base de données. Donc, là, on aura des caractéristiques scientifiques qui vont être vues par nos pairs. Donc à ce moment-là, je pense qu'on va quand même avoir les réponses aux questions qu'on pourrait se poser sur la fidélité peut-être de nos représentations à nous. Et pour la première question par rapport à la taille des fichiers, aujourd'hui, de toute façon, quand on est connecté à Internet, le facteur limitant, c'est la qualité de la connexion plutôt que la qualité, on va dire, la taille du fichier. C'est-à-dire que 200 mètres, aujourd'hui, ce n'est pas un fichier vraiment très gros, mais c'est sûr que dépendant du débit qu'on a, ça peut prendre un petit peu de temps à afficher. Je pense qu'aujourd'hui, avec ton iPhone, ça doit fonctionner. Normalement, j'espère, en tout cas, correctement ici. Je ne sais pas si tu as essayé, mais je pense que c'est correct. Mais on peut envisager de faire des fichiers plus petits. Par exemple, si on se rendait compte, je ne sais pas, on veut voir nos fichiers dans peut-être des pays où l'Internet est moins développé, où les débits sont moins importants, on peut absolument faire des fichiers plus petits pour les rendre plus accessibles, avec encore une petite perte de qualité, mais qui pourrait être minime, effectivement. Et les algorithmes de compression, de jour en jour, en fait, ils s'améliorent aussi. Donc peut-être que dans 10 ans, on pourra, avec 50 mégas, avoir la même qualité qu'aujourd'hui avec 200 mégas, par exemple. Juste une petite dernière question. J'ai vu la modélisation en 3D pour l'extérieur de la caméra, mais beaucoup les caméras, souvent, ça va être plus intéressant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, ce qu'il va y avoir, il y a une porte là, il y a une autre porte là. À l'intérieur des caméras 35 mm, il faut soulever l'avant pour voir l'obturateur. Alors, est-ce que ça, c'est envisageable? Mais là, ça grossit encore le fichier. Ou est-ce qu'il y a moyen d'avoir des fichiers qui soient quand même sans être très détaillés? Enfin, je ne sais pas. Oui, pour revenir sur la taille des fichiers, là, c'est sûr que par rapport au rendu 3D, il y a des désavantages, c'est-à-dire que comparativement à une vidéo sur le web qui peut charger en même temps qu'on le visionne, notre fichier 3D, il faut qu'il charge au complet avant qu'on puisse le visionner et puis le manipuler. Donc ça, c'est un léger désavantage. Par rapport aux intérieurs des boîtiers, on a déjà fait les expériences, particulièrement vous deux. C'est sûr que le scanner, c'est un gros truc quand même, là, assez gros. Donc, on ne peut pas plonger à l'intérieur d'un boîtier pour aller tout chercher. Puis, c'est assez difficile pour la plupart des appareils d'obtenir de l'information, suffisamment d'informations pour être capable de décrypter ce qui se passe là-dedans. Là, ben, je pense que peut-être Patricia Joachim pourrait rajouter quelque chose là-dessus. Oui. Ben, en fait, pour les intérieurs des appareils, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment de la modélisation pure. Donc, le scanner n'est pas utile parce que, comme Maxime dit, c'est trop gros. On ne peut pas, acquérir les angles, on ne peut pas avoir d'acquisition de cette surface-là. Donc, le scanner bloque. Puis, c'est pour des questions aussi de préservation de l'appareil. Donc, on ne veut pas l'endommager avec le scanner non plus. Donc, à ce moment-là, par une modélisation traditionnelle, ce serait possible. Mais à ce moment-là, ce n'est plus du tout le même contrat. Donc, c'est ça, ce n'est plus le même projet. Donc, on revient à la photographie ou à la vidéo. Oui. Ça faisait partie de nos rêves de départ, de pouvoir
modéliser l'ensemble des intérieurs des appareils, y compris de pouvoir les réimprimer en 3D par la suite. Mais ça restera du rêve pour l'instant. Et c'est vrai que c'est la photographie et la manipulation audiovisuelle qui reprennent le pas ensuite. Peut-être juste pour compléter ce que disait Joachim, ce qui est intéressant dans ces numérisations 3D, puis je pense qu'on voit aussi avec le projet de musée virtuel, c'est que à la fois ils peuvent être consultés pour eux-mêmes sur Sketchfab, ils peuvent être consultés, intégrés à un projet d'exposition virtuelle, ils peuvent être consultés par le chercheur dans la base de données, effectivement avec nos 250 ou au moins une quarantaine de métadonnées assez spécifiques, et puis après ils vont pouvoir être annotés en fonction des enjeux spécifiques d'une recherche, d'une volonté de médiation ou de valorisation des appareils, et intégrés dans les parcours, parce que ce qu'on va vouloir partager avec les usagers sur Internet, c'est à la fois la base de données qui est la base de notre sérieux et du travail académique qu'on mène, mais aussi des parcours qui ont pour vocation de proposer une médiation vers un public un peu plus large, et dans ce cas-là, effectivement, de faire ressortir des points d'intérêt, voilà, 3, 4, 5, pas forcément de manière justement objective par rapport au fonctionnement de l'appareil, mais en fonction de ce qui va intéresser l'équipe Technes ou ce qu'on va vouloir mettre de l'avant en fonction d'un questionnement spécifique. Dernière question, peut-être. Est-ce qu'on va avoir bientôt la version de la numérisation 3D dans laquelle on peut regarder dans le viseur? Ah, ça... Il y a du futur, il y a le futur là-dedans. Ça veut dire que, par exemple, l'encyclopédie Technes, dont s'arrête une valorisation numérique, virtuelle, mais aujourd'hui, les gros progrès, ils n'ont pas été dans l'acquisition 3D, ils sont sûrement dans l'impression 3D, par exemple. Ça veut dire que si on gardait tous les détails qu'on a, le fichier avec le plus d'informations possible, on est capable d'imprimer ce qu'on a acquis. Ça veut dire là, l'extérieur des appareils, un appareil extérieur, on n'aura pas le mécanisme intérieur, à moins de démonter la caméra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut imprimer dans plein de matériaux différents, du plastique, du métal, même des cellules humaines aujourd'hui, si vous avez regardé un petit peu les nouvelles. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait très bien imaginer reproduire à l'échelle 1 un appareil, mettre du poids dedans pour au moins redonner une sorte de médiation avec un poids, si l'appareil, on ne peut pas le sortir des collections, si dans 20 ans, un prof de cégep veut montrer c'est quoi une Ariflex et comment on la porte. Et puis pour le viseur, pour voir, je ne sais pas, par exemple, comme dans une Ariflex, c'est un peu ce que fait le musée virtuel. Ils essaient de simuler qu'est-ce qu'on va voir dans un objectif. On peut très bien imaginer insérer un iPhone dans cette impression 3D et avoir quelque chose à la fois de ludique pour les jeunes, parce que je pense que c'est eux qui vont nous demander ce qu'ils veulent, en fait. Ce n'est pas nous qui allons inventer tout ça. Là. En fait, j'ai pour rebondir là-dessus, je pense que j'ai une vraie question cette fois-là. C'est un des projets, disons... qui se développe en parallèle à Technes, la technique, la technologie, la matérialité, c'est dans l'air du temps. Il y a, je crois que c'est au High Film Institute, aux Pays-Bas, il y a des gens qui ont numérisé un cinématographe en 3D, mais là, si je comprends bien, c'est un peu dans l'idée qu'on peut maintenant imprimer les pièces en 3D. Donc, enfin, on a modélisé, ensuite imprimé, puis reconstitué un cinématographe fonctionnel dans la mesure où on peut tourner la manivelle. Donc, est-ce que c'est une approche parallèle mais distincte à ce que nous à Technes on fait, ou est-ce que les deux approches ont quand même un tronc commun ou des choses communes? Et puis ensuite, pour moi, quand je travaille sur les appareils, pour moi d'abord pour comprendre, puis ensuite pour l'enseigner quand je donne le cours Mouvement, l'histoire du cinéma, puis que j'essaie d'expliquer comment l'intermittence est centrale dans l'invention du cinéma, mais juste pour expliquer c'est quoi l'intermittence, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'on est rendu à un moment où ce serait envisageable de façon réaliste avec nos équipes, nos budgets, nos équipements, de reproduire des systèmes d'intermittence, ne serait-ce que pour des fins pédagogiques, ou tout modéliser, puis ensuite imprimer 3D, assembler, puis avoir un modèle de griffe qui fonctionne, qui permet d'expliquer à des étudiants. Est-ce que ses parents... Ça, c'est clair que c'est clair que ses parents... Après, c'est vrai que c'est pas exactement la même direction qu'on a pris, mais les deux...
les deux communiquent ensemble. Et c'est vrai que si c'est le cinématographe, hein, c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Voilà, c'est aussi, c'est pas un hasard s'ils ont pris cet appareil-là dans lequel le nombre de parties différentes à modéliser est relativement limité. Là où ça serait plus difficile pour notre trentaine d'appareils. Mais effectivement, ça serait très intéressant et ça ferait partie des choses qu'on peut explorer à l'avenir. Voilà, tout en faisant la question de se dire où est-ce qu'on met l'accent sur la 3D, à quel moment est-ce qu'on fait un tournage d'une démonstration, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui permet le mieux de comprendre, ou aussi de faire une démonstration dans une archive. Et dernière question qu'on pourrait ajouter à ce que tu viens de dire, et combien ça coûte? Oui, oui. C'est ça. Ah, c'est là. Parce que... Et où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met l'accent? Vous l'avez dit plusieurs fois, mais le mot-clé là-dedans, dans la question justement de Louis, c'est modélisation. Mmh. Modéliser, c'est pas le mandat que Technis avait. C'est vraiment, oui, c'est parallèle, mais c'est pas du tout le même projet. D'un point de vue technologique, de conception de la représentation 3D, effectivement, par contre, là, je suis d'accord, c'est assez éloigné. Oui. Paul? I think you've just answered the question I was going to ask. Thank you for nearly ending the week with this really interesting and inspiring project. We started the week a few days ago asking why it was important to touch and why the actual touching of the LeMay equipment was important. And a lot of the people who were asking that a few days ago are not here, and new people are here. But my sense is that the 3D modeling project is emphasizing the technology, almost platonic, almost in terms of the, and that what we did on Monday and Tuesday was to think of it as tools. To think of it as things that we can make with, things that we can use, things that we can interact with. And so I'm just interested to thank you for the project, but also ask, as a last question, the technes and technology at the center, what is the relation of it to touching and using and making? If that's, I mean, I know that's a big question, but you know. I'll try to do it in English. I'm not sure I well understood the question. Maybe yes, but I will start, and maybe you will come to the rescue or to help. But I think that the touching is very important because, in fact, if technice came to birth, it's because some of the... conceptor or of the project, me in particular, were already working for a long time with touching the material. For one, I'll give my example because I know it more than anyone. I've always been keen to go in the cinematheque to see the film. The principal concern I had all my life as a researcher was in montage, in editing. And I've been in relation with Film Archive. I've always gone, I was always going to the premises there to look at the film, and editing is very complete. Well, it's not good to do it by video. You don't need an explanation for that. So if you want to understand editing, you have to know how they make it, how they made it, what are the tools they were using, etc., etc. And so that's why materiality is very important. And I would give another example. Let's say that all the manners that we had to circumvene the job of the film operator, no, the film projectionist. The film projectionist in Technice, I don't know all of what we
did about that, but we went, we had a chapter on that in the series made by André Habib with Joel Lehmann and company, Connaissance du cinéma. So we had, they interviewed two projectionists, one of the old generation, very old generation, and the new generation. And there was filming around the dam and things like that. So that's one example of the relation between Technice project and the materiality. Maybe you can add something on that. I believe like these technologies might help foster for people who are not expert in that field. Exactly, they might help foster the need to touch and to go and visit archive and actually touch the material themselves. So that would be a link there.